couper. Allez, cause. J'aurais mieux fait d'apprendre le violon. C'est moi qui fais tout le travail. Tu plaisantes, c'est moi qui dirige tout. Où sont les fils Willis? Ils pourraient nous aider? Ils s'occupent du barbecue. Ils sont avec Anne et Tom. Et que font les nôtres? Ils la regardent faire. Naturellement. Voilà, c'est très bien. C'est parfait. Voilà, c'est bon. Beau travail, Carl. Je savais pas que mon homme était aussi viril. C'était du gâteau. Regarde-moi. Allez, les Willis, on pose le ballon. C'est lui-même. Carl, tu joues, oui. Laisse-moi. Toi, John, en face de ta tante Jane. Toi, allez, les filles, on les aura. Ok, bon, alors, on va y aller. Restez là jusqu'à ce qu'il ait fini de côté, bon, ok? Un, deux, trois. Hey, attends, j'ai quelque chose à lui dire. Quoi encore? Matt, empêche Nat de contrer, surtout. Ouais, compris. M'en veux pas, Nat. Carl, on va en attendre. Je sais, prêt, alors hop, 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 on y va. Attention! Attrape-la, John! Gagné! Bien, maman! Ouais! C'est gagné! À toi, vas-y! Ouais! Bien, nos adversaires. Écoute, c'est un jeu! On finira bien par gagner! Mais oui, on ne doit jamais désespérer! Allez, tout le monde danse! Oh oui, j'adore. Ouais, c'est du bel à fonte. Tu joues bien, mais qu'est-ce que tu chantes mal? Je sais. Merci, Carl. Quand on était petits, Carl et moi, je restais des heures et des heures à l'écouter jouer du piano. Tu exagères. Tu m'écoutais 5 minutes et puis tu remettais un disque des Stones à tue-tête. Et maman s'empressait de l'enlever. Ah oui, ce qui t'a permis d'acquérir un certain sens musical. Alors, si tu ne jouais un peu de violon, mon cœur. Oh, je suis vraiment contente, Carl, que tu aies décroché le contrat pour la comédie musicale. Tu as une année sabbatique, l'inspiration viendra tout seul. Vous allez devenir riche et célèbre. Oh, les compositeurs meurent pauvres, hélas. Et tourmentés, c'est la rançon du génie. J'ai l'impression que mon public s'endort. Allez, viens-toi. On va y aller. Il est tard. Oui. Mesdemoiselles, c'est l'heure d'aller au dodo. Oui, viens, mon trésor. Allez, Amy, toi aussi. Allez, lève-toi, ma puce. Courage, chérie. Il est l'heure. Allez. Merci. Surtout qu'elle se brosse les dents, hein. Bonne nuit. C'est gentil d'emmener ton frère. Oh là là là. Oh, laisse. On fera tout ça demain. Tu sais,
sais bien que je suis une maniaque du rangement. En tout cas, je l'étais. Quoi? Tu te souviens de ton arrivée en première année? Tu m'as longtemps appelée Mademoiselle Goodrich. Ça m'amusait. J'étais très impressionnée, figure-toi. Tu avais ta licence, j'étais pleine d'admiration. Ah bon, et maintenant? C'est pareil. Jane, si à l'époque je t'avais dit que nous allions devenir très proches l'une de l'autre, tu m'aurais cru? J'étais sûre qu'on deviendrait des amis. Mais j'étais loin de me douter que j'épouserais ton frère. Pourquoi tu l'as épousé? Il est tellement énervant. Oui, mais c'est un génie. Et au lit, c'est une affaire. Ah, oh, mon Dieu. Dire que ce week-end est déjà terminé. Et que l'été sera bientôt fini. Moi, je suis ravie. Tu sais, Carl n'est pas le seul à revenir à la scène. David Jamison est nommé directeur artistique du Grand Théâtre de Charleston et il m'offre un job. Non! Oh, mais c'est magnifique, c'est une chance. J'ai hâte de travailler et d'être appelée autrement que ma mère. Oui. Ah, j'imagine. Et si tu restais? Je peux pas. C'est impossible. Il faut que je rentre. Annie, voyons, qu'est-ce que tu as? Tu as paru préoccupée toute la soirée. J'ai un cancer et je commence le traitement dès lundi. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je voulais profiter de ce dernier week-end et te l'annoncer en personne. Quel genre de cancer? Cancer des poumons. Celui qui te guette quand tu as commis l'erreur de fumer trop tôt dans la vie. Tu veux me rendre un service, s'il te plaît? Annonce-le à Carl. Je m'en sens incapable. Bien sûr. Annie, tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Alors tu dois te battre. Promets-moi de le faire. Oui, je te le promets.
Hey. Anne? Mon lapin. Anne, ma sœur Anne. Que fais-tu ici, mon lapin? Mon lapin, tu m'appelais comme ça, je ne m'en souvenais même plus. Ici, on a tout le temps de se souvenir. Tu tombes bien, je voulais m'en aller. Alors, allons-y. Donne-moi 5 minutes, le temps de recoller les morceaux. Et où est Tom? Qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est pour quoi faire? Oh, il me transforme en bionique. Et il te change l'huile aussi? Presque tous les jours. Je t'ai apporté des chips. Regarde, tu reconnais ce paquet? Oh, les fameux chips de Charleston. Ouais. Excellente idée. C'est le plus gentil cadeau que l'on m'ait apporté. Alors, où est-on? Tom. Annie, il y a eu un accident de chemin de fer. Son train s'est précipité dans la baie de Chesapeake. Le pont à bascule était déjà levé. C'est pour ça qu'on ne m'a pas donné le journal cet après-midi. Carl, veux-tu me passer mon sac, s'il te plaît? Comment? Donne-moi mon sac, vite. Annie, ce n'est pas raisonnable. Carl, que va-t-il arriver à mes garçons quand je vais mourir? Que veux-tu dire? Réponds à la question. Si tu meurs, je les prendrai avec moi. Toi et ton piano? Non, moi et Jane. Et les enfants. Ça me rassure. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vas pas mourir, toi aussi. Ils ont tout essayé, Carl. Ils ne savent plus quoi tenter. Non, non, je ne veux pas croire ça. Non, non. Le monde est plein de gens obstinés. En particulier dans la famille, Carl. Nous croyons pouvoir contrôler nos vies. Mais c'est une illusion. Les cartes sont distribuées une fois pour toutes. C'est trop triste, surtout pour mes garçons. C'est trop horrible ce qui leur arrive. Toute leur existence est cachée. Je m'étais dit que Tom serait là pour parler de moi à Paul. Mais maintenant, c'est fini. Il n'y aura plus personne. Moi, je lui parlerai de toi. Promets-moi de prendre soin de mes fils. Je te le promets. De ne jamais les séparer. Je te le jure, Jane et moi, nous y veillerons. Nous serons tellement désemparés. On est en plein mélo, mon lapin. Thank you.
t'attendre, tu veux bien? Donne-moi ça, Camille. Et hop. Bien, Trésor, installe-toi à l'arrière. Et c'est à qui, ceci? Attention les doigts. Bon, on s'en va. Je verrai ça demain. Demain est un autre jour, Carlette. Oh, voilà. Amy, qu'est-ce que c'est que ça? Je fais un trait pour que Nelly ait la moitié de ma chambre. C'est une petite moitié. Nous en avions discuté, non? Je veux pas partager avec elle. Très bien, et où est-ce qu'on met les garçons? Mais tu la connais, elle est toujours en train de m'embêter. Elle a eu la gentillesse de céder sa chambre, alors tu devrais faire un effort, toi aussi. Amy. Amy. Oui, bon. Bonjour, Tante Jane. Bonjour, John. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Alors, Kubi? C'était long pour arriver jusqu'ici. Je sais. C'était très long. Bonjour, Jane. Oh, Sarah. C'est gentil de nous les avoir amenés. Ah, mais c'est normal. Je peux vous aider un peu? Paul, voulez-vous que je le prenne? Oh non, il est fatigué. Je crois qu'il a soif. Je vais aller lui préparer son biberon. Alors, allez dire bonjour à vos cousins? Oui. Bonjour, John. Bonjour. Bonjour, Kobe. Bonjour, Ned. Ça, c'est Ruby. Est-ce qu'il parle? Oui, bien sûr, seulement on ne comprend pas ce qu'il dit. Il chante aussi. C'est bien l'oiseau le moins musicien qu'il m'ait été donné d'entendre. Il n'a jamais voyagé. Je peux t'affirmer qu'avec moi, il chantera du Verdi. Il déteste l'opéra. Comment vas-tu? Ah, ça peut aller. Ned est d'une humeur aussi massacrante qu'Hannibal traversant les Alpes. Oh, donne-lui un peu de temps. C'est ce qu'on a dit pour Mussolini. Et toi, comment tu vas? Tu as l'air de sortir tout droit d'un chantier. Justement, c'est le cas, figure-toi. Tu es prête? Il va falloir s'accrocher. Ça va pas être facile tous les jours. Posez vos affaires là pour l'instant. Tout le monde par ici. Suivez-moi, je vais vous montrer la maison. Coucou, Paul. Oh non, Sarah, je vous en prie. Non. Est-ce que vous voulez une tasse de café? Non, un verre d'eau glacée suffira, merci. Et voilà, le réfrigérateur s'est encore arrêté.
Oh, ça fait rien, je me contenterai de l'eau du robinet. Je vais me servir. Jane? Jane, il faut que j'y aille, à plus tard. Entendu, au revoir. Au revoir. Comment ça va, jeune homme? Je suis très heureuse de vous voir. Tu m'as manqué, papa. Toi aussi, Nelly. Bon, alors, ça, c'est l'endroit où je travaille. Et ça, c'est mon piano. Quand je suis ici, on ne me dérange pas, compris? Rassurez-vous, on n'entrera pas. Bien, et votre tante aussi a un job. Elle doit faire les décors d'une pièce de théâtre. Alors, je vous demande de respecter son temps et son espace. Merci, oncle Karl. Ah. Allez, tout le monde monte avec moi. Viens, Cubby, je vais te montrer ma chambre. Il n'y a qu'une salle de bain. Alors, chacun son tour. Une salle? Oh, les garçons feront pipi dehors. Venez, on va commencer par là. Ned, John, vous serez ici. Et puis toi, Matt, avec Cubby de l'autre côté pas du couloir. Pas question. Arrête, Ned. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne dormirai pas avec un gamin qui empeste autant. J'aime encore mieux aller à l'orphelinat. Tais-toi et fais ce qu'on dit. J'ai dit non. Tu exagères. C'est entendu, Ned. Alors, est-ce que tu veux dormir avec Cubby? Je préfère. S'il est d'accord, bien sûr. Oui, Ned. Moi, je dors n'importe où. Merci. Alors, toi et John, vous partagerez la même chambre. Oui, moi. C'est très bien. Merci. Bon. Et ces jeunes demoiselles vont dans la leur. Et avec le sourire. Merci, madame. Viens, Nelly. Tu peux venir dans ma chambre. Merci. C'est réglé. Dis-moi, j'espère. Excuse-moi, je n'ai pas bien saisi. Et où est-ce qu'il va, lui? Avec le piano. Il n'y a pas d'autre endroit pour le mettre. Juste la nuit, tu ne travailles pas la nuit. Pendant la journée, il sera... Ah. C'est là ou dans notre chambre. Dis quelque chose. Je me demandais ce qui était le plus important, la musique ou le sexe. D'accord, on va le mettre avec le piano. Merci pour tout. Ah, c'est rien, à bientôt. Karl. Avant que je m'en aille, n'est-ce pas une décision un peu hâtive? Il y aurait d'autres solutions. Vous n'êtes pas obligé de les garder tous les quatre. Non, c'est certain, mais nous voulons le faire. L'autre branche de la famille est prête à participer. Notre cousin Louis a d'ailleurs déjà fait une offre pour le bébé. Il n'est pas à vendre. Il est avocat. Lui et sa femme sont installés à Minneapolis et ils sont assez fortunés. Sarah, j'ai promis à Annie de ne pas les séparer, ce qui signifie de les garder au sein d'une seule famille. Notre famille. Tom était mon frère, et je me sens aussi concernée que vous l'êtes. Notre famille est tout aussi soucieuse que vous du bien-être de ses enfants. Nous en sommes très touchés. Souvenez-vous-en. C'est tout. Entendu. Soyez prudente. Cubby, tu t'es servi? Ouais. Bon, passe-moi le plat. Voilà. Merci. Tu en veux, John? Non, merci, j'en ai déjà. Les voisins ont apporté tout ça quand ils ont su que vous étiez là. Mais ils nous connaissent. Vous êtes célèbre. Bon, nous allons dire les grâces. On ne les disait jamais chez nous. Ici, nous les disons. D'ailleurs, pourquoi faire? Dieu se moque bien de nous. Ce n'est pas vrai, Ned. Mais tu n'es pas obligé de les dire. On
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas que nous allons prendre et ces dons que nous avons reçus grâce à votre bonté par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Matt, à toi. Merci de nous avoir réunis autour de cette table. Amy. Merci pour mes cousins. Nelly. Merci pour ce beau jour. Merci de nous avoir conduits jusqu'ici sains et saufs. Kaby. Merci pour ma nouvelle famille. Jan. Merci de nous avoir permis de rester avec les Goodridge. Ned. Je passe. Jane. Merci, Seigneur, d'avoir donné 4 nouveaux membres à notre famille. Nous vous prions de garder Anne et Tom réunis afin qu'ils puissent veiller sur nous tous et nous accorder leur protection. Paul a vomi sur mon chemisier. Quand je pense à ces petits garçons, que je les regarde, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ose à peine respirer. Moi, je m'inquiète pour toi. Je ne veux pas que tu sacrifies une once de ta vie. Que comptes-tu faire pour ton job? Oh, j'irai au théâtre le matin et je serai de retour avant la sortie des classes. Ce sera parfait. Tu peux compter sur moi. Je t'aiderai. Tu veux bien me répéter cette envolée, s'il te plaît? Écoute, je suis sérieux. Et que fais-tu de Paul? Qui va le garder pendant que tu es au théâtre? Molly, elle accepte même de le faire à un prix très intéressant. Gratis. Bon, c'est une bonne chose parce que Tom et Anne sont morts sans laisser un sou. Comment est-ce possible? Tom s'était endetté pour son affaire et puis il y a eu les frais d'hôpital, d'enterrement et l'emprunt sur leur maison. Il n'y a plus d'argent pour les garçons? Si, l'indemnité de chemin de fer. Parce qu'il y a une indemnité? Non, justement. Reste mon salaire de professeur qui arrivera à couvrir à la rigueur nos dépenses pour l'année. Et le mien? Sans oublier mon cachet faramineux pour ma comédie musicale. Oh, on se débrouillera. Mm-hmm. On mangera des pâtes. Mm-hmm. Je cultiverai des légumes. Je couperai du bois. Moi, j'irai vendre de la limonade. Je fabriquerai nos meubles. Moi, j'apprendrai au perroquet à attraper des lapins. Je réparerai le réfrigérateur. T'es aussi doué qu'Abraham Lincoln. C'est vrai, il savait tout faire, et moi aussi, d'ailleurs. Ah oui? Prouve-le. Est-ce que je peux vérifier? Oui, mais il faut que tu cherches le code secret d'abord. Ah bon? C'est ça? C'est un peu plus bas. Je crois que j'ai trouvé. Chérie. Oui. Pas tout à fait, je vais modifier légèrement les tons et rehausser la couleur. Un peu sur le fond. Ok, ça marche. Hein? On voit le jour. Oui? Alors? Que veux-tu que je te dise? Hans envoie le nouveau projo. Lequel? N'arrête pas de tout changer. Mais qu'est-ce c'est celui qu'on a réglé hier, voyons. Qu'est-ce que tu en penses? À propos de quoi? Bon, très bien, je m'en moque après tout. C'est géant. C'est vrai? Réellement? Tu veux que je m'aplatisse, peut-être? Dis-moi plutôt ce que tu prévois pour le deuxième acte. Je vais te montrer. Alors, on utilise les mêmes panneaux, on les bascule.
Oh, Seigneur. 6h30, il faut que j'y aille. Mais il y en a pour une seconde. Les enfants, ils vont être rentrés de l'école. Mais Jen, ne pars pas, on est déjà à la bourre. Demain matin, sans faute. C'est pas sérieux. Alors, Jen, vraiment? Jen, c'est plus que géant. Attends de voir la suite. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, Nelly? J'ai très mal. Ça n'a rien de grave, c'est juste une égratignure. Désolée d'être en retard. Oh, tu es en retard? J'ai pas vu le temps passer. Laisse, je vais le faire. Où est Molly? Elle devait s'en aller. Tu te souviens, ces enfants sortent de classe à 4h30, alors... Et voilà, trésor, c'est fini. Merci, papa. Je t'en prie, jolie Nelly. Ne t'inquiète pas, tout est réglé. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Eh bien, j'ai débouché l'évier, j'ai été acheter les équipements de baseball, j'ai vidé des tonnes de poubelles, j'ai empêché une bagarre et j'ai nettoyé la cuisine. Ah oui, j'ai composé encore mieux que le 3e concerto pour piano de Rachmaninov. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as les corvées sur l'axe X et les enfants sur l'axe Y. Tout ce qui reste à faire, c'est d'indiquer les jours de la semaine. Ça, c'est de l'organisation domestique. Génial. Et voilà, ça devrait aller comme sur des roulettes. Oh, laisse, il va se calmer, ne t'inquiète pas. Ce sont pas des cris ordinaires. Non, c'est pas vrai. Carl, il est en train de se taper la tête contre ton piano. Qu'est-ce que le médecin t'a dit pour Paul? Très intéressant. Il a dit ceci. Se taper la tête est un signe de désespoir. Paul ne parlant pas encore, il s'exprime par gestes. Combien as-tu payé pour une telle évidence? C'est toi. Il a aussi ajouté que la plupart des problèmes seraient résolus si Paul passait davantage de temps avec ses parents. C'est pour ça que tu fais les courses en compagnie de ta tante, hein? Mais Jane... 4 orphelins, 3 enfants. Carl, ta maison, ton job, comment est-ce que tu vas y arriver? On adopterait un autre. Jane. Travaillant dur comme fer, je suis toujours parvenue à m'en sortir. Oui. Ils vont avoir besoin de tant de choses. Je veux pouvoir tout leur donner. Oui. Maman! Tiens, voilà le courrier. Ah oui, merci chérie. Ned, tu me dois 32 dollars. Tu veux que je t'aide? Oui, si tu veux. Tiens, passe-moi les pinces à linge. Oui. Et mais qui surveille Paul? Surveillé par Paul. C'était pourtant convenu, tu devais le faire pendant que j'étendais le linge. Oui, mais t'as oublié de me le donner. Paul? Qu'est-ce que vous fabriquez? Ben, on s'amuse. C'est Ned qui a commencé. Où est Paul? J'en sais rien. Où est-ce qu'il est? Vous ne savez pas où il se trouve, vous? Il n'y a donc personne de responsable ici. Allez vite voir en bas, tous les trois. Moi, je vais là-haut. Paul! 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 Paul, où es-tu? Petit Paul! Non, Paul! On ne le trouve pas! Il n'est pas en haut non plus. Qu'est-ce qui se passe? Paul a disparu. Paul! Paul! Oh mon Dieu! Oh non, pitié! Thank you.
Ne crie pas, maman. Oh, pardon, chérie. C'est très, très important. Où est Saul? Je l'ai laissé, c'est Madame Storey, tout à l'heure. Je lui ai demandé de le garder un petit peu. Parce que je voulais jouer. Et elle a dit oui, c'est parce que je voulais m'amuser. Oui, chérie, je comprends. Ça va aller, calme-toi. C'est fini. Oui. C'est bien. Allez, on va le chercher, hein? Oui, et maman. On le ramène à la maison. Viens, chérie. Allez, en route. Entre. Le café. Et le courrier de monsieur. C'était merveilleux, ça. Le café, les lettres, toi et moi. C'était le bon temps. On mène la vie de qui, aujourd'hui? La nôtre. Publicité, publicité, facture. Facture. Ah, moi, c'est mieux. Facture. Oh. Le rappel de facture. Et un courrier pour un concours. Je pourrais essayer de gagner. Il vaut mieux braquer une banque. Ce fut une honorable profession. Regarde ça. C'est adressé à Ned. J'espère que tu as les munitions. Je t'envoie les mèches. Munitions, mèches. J'aime bien la signature avec la tête de mort. Ça doit être le signe d'une très grande amitié. Tu n'as rien? Non, je pense pas. Ça commence à bien faire. Carl, laisse-moi régler ça. Ce sera vite réglé. Carl! Hé! Hey. Bon, qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est moi. Tu sais que tu as failli blesser ta tante Jane. Excuse-moi, oncle Carl. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est mon pied qui a glissé. Et si le bébé avait été à l'intérieur? Carl, ça suffit. Je suis désolée, mon oncle, je paierai la vitre. C'est trop facile. Carl! Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Combien de fois vous ai-je répété que là où je travaillais, c'était hors limite? Pourquoi vous obstinez-vous à jouer par ici? La plage est assez grande, non? John, écoute-moi. Tu vas aller balayer les morceaux de verre, d'accord? Oui, tant John, tu veux vraiment... Oui, je sais. Et fais ça correctement, tu entends? Qu'est-ce qui te prend? Tu le vois bien, je suis furieux. Tu l'as tellement secoué qu'il tremblait. Qu'est-ce que je devrais faire? M'excuser d'avoir interrompu leur jeu parce qu'ils abîmaient ma maison? Très drôle. Tu ne te rends pas compte à quel point tu l'as malmené? Parfait. Je pensais avoir agi comme il le fallait, mais visiblement, tu n'approuves pas ma méthode. À partir de maintenant, je laisse tomber et tu t'en occupes. David!
Y a quelqu'un? La réunion de la production est annulée. On est dans le studio de répétition. La babysitter n'est pas venue, je suis désolée. Ça ne se reproduira plus. Jane, ce n'est pas la fin du monde. Montre-moi les maquettes que je vois ça. Les maquettes? Tu les as apportées? Non. Elles sont prêtes au moins. Non. J'arrête. Jane, je t'ai pas dit de faire ça. Jane! Massez votre peau grâce aux perles de massage et aux quarts de crème hydratante Dove. Découvrez la nouvelle douche massage stimulant de Dove. Tous les jours, les bienfaits d'un soin thermal sous votre douche. Les protège slip ne sont pas tous adaptés à un string. Tanga, The Old Days. Quelle bonne tenue! Carte d'or chocolat. Avec de vrais morceaux de chocolat. Un goût aussi généreux qu'on ne peut s'empêcher de le partager. Carte d'or, c'est bon de partager. Carte d'or de Ola. Old Days Tanga. Maintenant en noir. Tenez, Walter. Si jamais vous avez besoin de nous, appelez-moi, madame. D'accord, merci. Allô, Bob, c'est Carl. C'est fabuleux, tu sais. Le chorus final à la fin du premier acte. Non, t'oublies, vieux. J'ai composé quelque chose de bien meilleur. Tiens, écoute, je te le jure, tu vas me dire. Ça mijote, maître. Hé, hey, c'est quoi cette installation? Tu apprends à tricoter? Je vois que tu es en pleine forme. J'ai enfin retrouvé l'inspiration. Incroyable. Écoute, je suis désolé pour ce qui s'est passé avec John. Je viens m'excuser. Va plutôt t'excuser auprès de lui. Oui, je vais le faire, mais je commence par toi. Je regrette de m'être mis en colère. Tu veux bien me pardonner? Peut-être. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais? Tu me tricotes un chandail? Non. Ou alors, tu es en train de tester la qualité de la laine? C'est une chasse au trésor pour l'anniversaire de John. Chaque brin de laine conduit à différents cadeaux. Oh, c'est très astucieux de ta part. Je sais. Je me demande où il va, celui-là. Carl. Oui? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, j'ai trouvé. Il est pour moi. Oh, et ça, c'est pour moi. Tout de suite, là, dans la réserve. Oui. Devant les boîtes de conserve, les céréales, les gâteaux secs. Comme ça, nous ne serons pas dérangés. Carl, j'ai quelque chose à te dire. Tu es enceinte.
quitté mon job. Quoi? Oh, on m'a offert celui-là, on m'en offrira d'autres, c'est pas dramatique. Tu es sérieuse? Oui, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'occuper des enfants sans leur donner tout mon temps. Rien que Paul, à lui tout seul, m'oblige à être disponible. C'est vrai, mais... Ça va pas? Tu n'en as même pas discuté avec moi, tu l'as décidé seule. C'est pour l'argent que tu t'inquiètes? J'ai congédié les ouvriers, ça fera des économies. Oui, bon, l'argent c'est important, mais ne parlons pas de ça. Comment peux-tu renoncer à tout ce que tu aimes aussi facilement? Je ne veux pas que ces garçons se sentent rejetés. Je veux leur offrir une famille. Tu ne feras pas revenir Tom et Annie, tu le sais bien. Mais j'essaye même pas. Alors cesse de te sentir coupable d'être vivante parce qu'Annie n'est plus là. Mais enfin, de quoi tu parles? Tu m'as dit toi-même que tu ne voulais plus t'impliquer autant qu'avant. Alors il faut bien qu'un de nous deux le fasse, non? Non, 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 pas par là. De ce côté, par ici. Alors, qui veut encore du gâteau? Oui, moi. Non, merci, j'en ai eu assez. Il était délicieux. Je t'aide à débarrasser? Mais non, pas le jour de ton anniversaire. Va plutôt t'amuser. Je peux me lever, alors? Oui, je te le permets. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est un bel anniversaire. Merci. Le ballon. Non, mais ne bouge pas, toi. Ça fait toi. Arrête. Arrête. Chic. Je t'en prie. Non, mais c'est pas juste, hein. Alors la pluie s'est mise à tomber sur les spectateurs des 10 premières fois. Oh non. Et les gens restaient assis. Ils avaient l'air d'aimer ça. Pourtant, ils étaient trempés. Seulement, ils étaient convaincus que la pluie était supposée tomber sur eux. Vous savez, le théâtre moderne. Ils sont restés assis? J'arrivais pas à le croire. Inimaginable. Oui, c'était d'ailleurs le premier décor que je créais. C'est le premier spectacle qu'on ait fait ensemble. D'ailleurs, c'est mon préféré. Et où en est l'autre? Oh, tu sais ce qui m'est arrivé? Tu connais Dallas Reed, le producteur de Broadway? Évidemment que je connais Dallas Reed. Eh bien, figure-toi qu'il était chez nous, ici, à Charleston. Il a fait irruption, sans prévenir, le soir de la première. Et il a été emballé. Non. Et il veut que dans les mois à venir, nous allions à New York. Avec comme metteur en scène, votre serviteur. Oh! Alors, c'est bientôt la gloire. J'ai attendu pendant 15 ans. Et Dallas Reed est apparu soudain quand je n'espérais plus rien. Et ce qui nous vaut la petite fête de ce soir, c'est que c'est toi qui fais le décor. Oh. Non. Écoute, il y a les rêves et il y a la réalité. Je te remercie beaucoup, mais... c'est impossible. Jane, c'est le meilleur décor que tu aies jamais créé. Tu vas toucher une fortune. Hélas. Mais ne refuse pas aussi vite, Jane. On peut peut-être trouver une solution. Elle est à New York. C'est ridicule. C'est la première fois que nous sortons depuis des mois. Carl, ne me demande rien à moi. C'est son choix. Elle ne veut aller nulle part. On a été seulement une seule fois au cinéma. Oui, Nelly a vomi et Paul s'est mis à hurler. Je dois rester à la maison. Je leur ai monté un petit spectacle. Tu te souviens en quelle année on est venu ici? Non, pas du tout. Il y a 10 ans. C'est lorsqu'on a su que tu étais enceinte de Matt. Et la première fois, c'est quand je t'ai demandé de m'épouser.
Je déteste ce genre de situation. Chaque fois que j'ouvre la bouche, tu as l'air de me le reprocher. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. À quoi penses-tu? Au fait que j'ai honte de devenir jalouse comme je l'ai été ce soir. Mais comment ne pas l'être? Moi aussi je l'étais. Pourquoi toi? Mais je rêve d'aller à Broadway, figure-toi. Tu crois que j'ai envie de passer ma vie à enseigner le solfège à des gamins? Mais si tu allais à New York, ce serait différent. Tu as eu ta chance ce soir. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je t'en prie, surtout pas de dispute. C'est un désastre. Je croyais pouvoir m'imaginer à quoi ça ressemblerait. C'est raté. Tout à coup, notre vie entière éclate en mille morceaux. Je regrette de t'avoir entraîné là-dedans. Arrête de culpabiliser. Nous avons décidé ça tous les deux. Je t'en prie, arrêtons de pleurer. Propre pour toi. J'ai déjà changé. Formidable. Socket propre. Premier arrivé, premier servi. Maman, le frigidaire s'est arrêté. Oh, la barbe. Envoyez les bus. Klaxonnez beaucoup. Ils ont l'habitude. Je n'ai pas votre déjeuner aujourd'hui. Au revoir, maman. Au revoir, les enfants. Au revoir. Oui, on arrive. Carl, j'ai une enveloppe à vous remettre. Mais je crains que ce ne soit la dernière fois que nous participons. Puisque vous considérez que les quatre garçons font partie de votre famille, notre contribution s'arrêtera là. C'est très compréhensible. Je peux vous poser une question? Je vous en prie. Allez-y, Sarah. Comment faites-vous avec ce métier qu'est le vôtre, compositeur? Ça ne doit pas rapporter grand-chose avant d'avoir vraiment réussi. Eh bien, on se débrouille. Merci. Avez-vous un peu réfléchi à la proposition de Louis et Cathy en ce qui concerne le bébé? Absolument pas. Et vous, Jane? Nous sommes du même avis là-dessus. Nous avons fait une promesse à Annie, Sarah. Je ne suis pas seule dans cette histoire. Je dois vous avouer que la famille considère cela comme... de l'obstination, de la folie, que de vouloir garder tous ces enfants ensemble, alors que des parents parfaitement respectables, très fortunés et sans enfants, se proposent d'adopter le plus jeune. Bien, ils sont libres de leurs opinions, mais notre décision est irrévocable. Nous voulons les garder ensemble. Vous feriez mieux d'oublier votre fameuse promesse et de songer surtout au bien-être de cet enfant, il me semble. Peut-être se porterait-il mieux en vivant ailleurs et en n'ayant pas à avaler du lait tourné sorti d'un réfrigérateur délabré qui fonctionne selon son bon plaisir. Je ne voulais pas dire ça. Tenez, prenez l'argent. Vous pouvez le garder.
Vraiment, vous êtes sûr? Oui, absolument. Si vous ne voulez pas rater votre train, il faudrait partir. Ma valise est dans l'entrée, je vais la chercher. Carl va vous aider. C'est inutile, ne vous dérangez pas. On avait besoin de cet argent. Oui, mais pas de ce qui allait avec. Il n'y avait qu'à aller expliquer ça aux huissiers. Je n'allais tout de même pas le prendre. Il n'est pas question de tendre la main comme un mendiant. Tu peux faire une croix sur ton orgueil pour une fois? Mais nos comptes sont créditeurs. J'ai vendu les actions que ma mère m'avait données. C'était le seul capital que nous avions avec la maison. Et alors, peut-être qu'il va falloir la vendre. Je fais tout mon possible pour que ça aille. Pas de blessés. Et pourtant, on a trouvé des morceaux de métal assez loin d'ici. Jane, j'ai aperçu Ned courant le long de la route juste après l'explosion. Qu'est-ce que c'est que cette invention? Tu as quelque chose à voir avec ça? Non. Ned, rentre à la maison, s'il te plaît. Quelqu'un veut porter plainte? Non, non, laissez. Nous savons ce que vous traversez. Non. Il n'y a aucune excuse pour ce genre de choses. Si c'est Ned, nous sommes sincèrement désolés. N'hésitez pas à m'envoyer les factures, je paierai tous les dégâts. Bonne nuit. Vous êtes très aimable. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça se voit, non? C'est ce qui a tué ta mère, tu le sais? Aucune importance. Rien n'en a, d'ailleurs. Oh, Ned, c'est absurde. Et si nous parlions des boîtes aux lettres? Tu as quelque chose à me dire? Non. Les gens savent ce qui se passe ici, tu sais. Tu ferais mieux d'avouer. Avouez quoi? Le voisin t'a vu. Qui le prouve? Il habite à côté, il sait très bien à quoi tu ressembles. Je te l'ai dit, je suis pour rien. Mais alors, où étais-tu pendant l'explosion? Et que signifiait cette carte postale où il était question de munitions et de mèches? Mon courrier, bravo. Ça s'appelle de l'ingérence. Honnête, admets-le. Ça t'arrangerait que ce soit moi, j'ai la pression. Non! Ce que je te demande seulement, c'est d'être honnête. Ben, c'est pas moi. Premier round. J'ai réussi. Tu as une meilleure idée, peut-être? Tu voudrais qu'on se taise? Non, mais moi, au lieu de traiter en coupable, je le laisserai prouver son innocence. Tu as d'une naïveté. Tu crois vraiment qu'il est innocent? Est-ce que tu peux essayer de comprendre ce qu'il vient d'endurer? Sa vie a été complètement bouleversée. Toi, tu voudrais le juger d'après des critères ordinaires. Où est la marge? Tu peux me le dire. Nous ne sommes pas les seuls concernés. Les voisins le sont aussi. Les voisins sont plus indulgents que toi. Il y a un temps pour l'indulgence et un temps pour la discipline. Mais qu'est-ce qui te prend?
Je te parle, il me semble. Ah non, justement, tu ne parles pas. Tu refuses toute discussion, tu ne m'écoutes pas, tu ne veux en faire qu'à ta tête. Mais j'essaie de t'aider, enfin. M'aider ? À cause de toi, Ned n'avouera plus. Je ne veux pas laisser ces enfants détruire notre famille. Seulement avec toi, ça tourne à l'obsession. Tu laisses tout tomber pour eux, jusqu'à ta propre vie. As-tu pensé à nos enfants, à notre mariage ? Mais qu'est-ce que tu as fait, toi, pour les enfants ou pour sauver notre mariage ? Quand les choses vont mal, tu te contentes d'accrocher ta pancarte, ne pas déranger. Je me tue au travail pour qu'on ait de quoi se nourrir. Non, tu veux rire? Tu planches sur ta satanée musique depuis un an, mais nous sommes quatre de plus. Peut-être que justement tu aurais pu y penser avant de quitter ton job. C'est ça, et me serait regardé le navire couler. J'aurais jamais dû promettre de prendre les enfants. Ne redis jamais ça, je te l'interdis. Mais c'est vrai. Non, c'est ridicule. C'est moi qui t'ai demandé de me les amener. Ils sont notre famille, que tu le veuilles ou non. Écoute. Peut-être qu'il vaut mieux que j'aille travailler à New York pendant quelque temps. Entendu. Tiens, voilà tous les papiers personnels que j'avais dans ma chambre. Ça avait l'air de t'intéresser, alors je me suis dit que ça te rendrait la tâche plus facile. Marche. Est-ce que je peux prendre un jus d'orange? Bien sûr que oui. Merci beaucoup. Oh, Ned, tu trouves pas que tout ça est un peu ridicule? Ned, je te parle. J'ai pas mérité d'être traité comme ça. Je vois pas ce que tu veux dire. Si, tu vois très bien. Vous êtes des petits malins tous les deux. Ned, si on réglait ça une fois pour toutes... J'ai pas envie d'en parler, dégage. Ned, ah. Premièrement, si tu recommences à faire ça à ta tante, je te jure que tu auras mon poing sur la figure. Deuxièmement, tu affirmes que tu n'as rien à voir avec l'explosion. Parfait. Jane et moi sommes prêts à croire que tu dis la vérité. Et je te promets, on n'en parlera plus, mais à une condition. Que tu donnes ta parole en tant que membre de cette famille, que tu n'as rien à voir avec cette histoire. Je fais des choses et je sais même pas pourquoi je les fais. C'est pas grave. Si, c'est grave. Tu diras à oncle Carl que je paierai pour les boîtes aux lettres. Tu lui diras toi-même? Non. Ned, Carl n'essaye pas de remplacer ton père et il ne s'attend pas non plus à ce que tu l'aimes autant que tu aimais ton père. Je n'aimais pas mon père. En tout cas, pas dans les derniers mois. Je le haïssais presque. On se parlait pratiquement plus.
Pourquoi? Il m'a dit que maman allait mourir. Et il m'a demandé de le dire à personne. Ni à John, ni à Cubby, et surtout pas elle. Et j'ai essayé de tenir ma promesse. Mais un jour, on est allé voir maman à l'hôpital. Et elle allait si mal, c'était plus fort que moi. Je lui ai dit. D'ailleurs, elle s'en doutait, et puis elle préférait que je le sache. Mais jamais je l'ai dit à un de mes frères. Ned, quel que soit le comment ou le pourquoi de ce qui est arrivé, il faut continuer et prendre soin les uns des autres. C'est tout ce qui nous reste. C'est dur. Oui, très dur. Mais il y a une chose dont je suis sûre. C'est que je vous aime. Toi et tes frères, énormément. Maman me manque tellement. À moi aussi, mon petit. À moi aussi. Allô, Bob? C'est Jane Goodridge. Très bien. Est-ce que Carl est là? Il est parti se promener. Et à quelle heure il rentre, à peu près? Bon, écoute, tu peux lui dire que j'ai appelé? Merci, salut. C'est à moi! Oui, mais je l'ai! Donne. Pas question! Je te dis que... Non, je le garde! Non? Matt, oui. John, sortez de ma chambre, vous avez compris? Allez, dehors! Allô? Oh, bonjour, Sarah. Quoi? Mais de quoi vous voulez parler? Mais comment ça, Louis vient chercher le bébé? Non, Carl ne m'a absolument pas tenu au courant. Il n'en est pas question. Je ne suis pas fâchée, je suis furieuse. Écoutez, Sarah, j'ignore ce dont il s'agit, mais il n'est pas question qu'il vienne chercher le bébé. Est-ce que c'est bien compris? Ça m'est égal qu'il soit déjà parti. Rattrapez-le! Jane, bonjour, Louis Colt. Je suis content de vous rencontrer. Laissez-moi vous dire, Louis, qu'il y a eu un malentendu. Vous n'emmènerez pas Paul. Il est hors de question qu'il soit séparé de ses frères. Sarah a dû se tromper et je suis désolée. Bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne me séparerai pas de Paul. Oui, je vois. J'avoue que je trouvais ça étrange de débarquer et de venir tout simplement prendre le bébé, ça, en l'absence de Kate. Nous ne céderons aucun des enfants. Je suis certaine que Sarah a monté cette histoire de toutes pièces.
Ouais, j'avoue que je suis très gêné. Elle nous met tous les deux dans une situation très désagréable. Vous comprenez, alors? Ah, bien sûr, oui. Navré que vous ayez fait ce voyage pour rien. Oh, ça n'a aucune importance. De toute façon, je cherche une excuse pour revenir à Charleston depuis longtemps. Je crois qu'on s'est tout dit. Peut-être que tous les deux, on pourrait quand même essayer. Quoi? Eh bien, je reconnais que vous êtes une excellente mère, mais je ne suis pas l'ennemi. Je suis un parent par alliance. Je suis Louis Cole de Minneapolis. Et je serais ravi d'avoir l'occasion de vous connaître, vous et Carl. Et aussi les enfants. Bien que j'ai été un peu brusque. Salut, Lou. Salut, Jenny. Je peux... Merci. Je vous présente Louis. Salut. Oh, oh, oh. Alors, je te plais comme ça? Nous passions nos étés sur cette plage autrefois. Ah oui? Ouais, on a loué la même maison pendant presque 20 ans sur Folly Beach. Nous habitons la maison qui appartenait à mes grands-parents. Ils y venaient en été. C'est là que vous l'avez connu? Carl? Non. Annie et moi étions très amies au collège. Elle a dit à son frère Carl de me faire signe quand il est venu jouer au festival de Spoleto. Et on ne s'est plus quitté. Quel était votre nom de jeune fille? Cunningham. Est-ce que vous avez connu un nommé Bobby Mudge? Oui, bien sûr. Il m'arrivait même d'aller à des soirées chez lui. Et quelquefois, il y avait d'énormes barbecues. Leur fameux festin sur la plage. Vous y êtes allé aussi? Oh oui, bien sûr. Moi et quelques amis très intimes, nous étions environ 500. Je parie que c'est là qu'on s'est déjà vu. Cathy est atteinte d'endométriose, hélas. Aucun des traitements n'a été efficace. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Vous pourriez en adopter? C'était en cours, en fait. Enfin, du moins, avant que toute cette histoire avec Paul n'intervienne. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas trop. Mais à vous de me le dire. Je trouve que Paul est le plus bel enfant que j'ai jamais rencontré. Non, je ne veux pas qu'on le donne. C'est toi qui vas chercher un job et t'occuper de lui, peut-être. Je me moque de ce que tu dis. Mais pourquoi est-ce qu'il doit s'en aller? Pas obligé. Si vous ne voulez pas, on le garde. Il faut choisir ce qui est le mieux pour Paul. Et surtout, penser à lui d'abord, pas à nous. Hé, hey, John. Et toi, Kubi? Parler avec notre cousin Louis, tu sais? Oui, Paul. Il possède beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on n'a pas, nous. De l'argent, par exemple. C'est malheureux à dire, mais... c'est important, ce bas monde. Tu t'en rendras compte. Il a une femme qui s'appelle Cathy. Elle est très gentille.
Ils n'ont pas d'enfants, alors. Ils auront du temps à te consacrer. Ils vont sans doute beaucoup te gâter. Et pour tout avouer, j'hésite à prendre la décision. Tu sais, ça me rend très très triste parce que... je t'aime énormément. Oui. Je crois que ce sera bien mieux si tu pars avec lui. Ce sera un papa très attentionné. Tu veux dessiner? Nous avons fait une promesse à ta maman seulement. Merci. Je crois que tu mérites mieux que ça. J'en suis sûre. Viens t'asseoir là. Et toi, est-ce que ça va? Et Nelly? Et Matt? Je vous ai un peu oublié tous ces mois-ci. On va très bien, maman. Je t'assure. T'entends le vent? Ouais, c'est magnifique. Maman, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Oh, chérie. Il y a assez d'anniversaires comme ça dans la famille. Je n'ai besoin de rien cette année. Mais il faut bien qu'on fasse une fête. Non, inutile. Et Paul, il est déjà là-bas? Oui, chérie. Louis a appelé. Ils sont bien arrivés. Tu crois qu'il sera bien avec eux? Oui. J'en suis sûre, mon trésor. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de lancer cette balle. Vous avez compris, oui? Il faut qu'on fasse quelque chose. Papa!
Amy, ma chérie. Oui, j'admets avoir parlé à Sarah des problèmes que nous avions, mais je n'ai jamais suggéré que Louis vienne prendre le bébé. J'arrive pas à croire qu'elle ait pu imaginer toute seule une chose pareille. Écoute, Jane, qui préfères-tu croire, elle ou moi? Qu'est-ce que ça peut faire maintenant, de toute façon? Nous avons échoué. Nous avons négligé nos propres enfants. Ned est en train de devenir un jeune délinquant. John ne veut pas se confier. Quoi que je fasse... Et Paul... J'ai fait de mon mieux, mais ça n'a pas suffi. Détrompe-toi. Tu as mieux réussi que tu ne le penses. Ce délinquant, comme tu dis, c'est lui qui m'a appelé à New York. Ils étaient tous avec lui. Ils voulaient que je revienne, c'est vrai. Mais en réalité, ils voulaient tous me faire comprendre combien ils t'aimaient. C'est Ned qui a appelé? Aussi incroyable que cela paraisse. Jane, j'ai eu le temps de réfléchir quand j'étais à New York. Je me suis rendu compte qu'en prenant ces garçons, notre existence ne pouvait pas rester la même. J'étais tout simplement trop borné pour l'admettre. J'adore mon métier, je rêvais de cette comédie musicale, mais je suis bien conscient que ce ne sont que des notes sur un bout de papier et que toi et les enfants, vous êtes toute ma vie. Je ferai tout ce que je pourrai pour que ça réussisse. Nous n'avons pas tenu notre promesse. Oncle Carl est encore parti. Ton oncle et moi, nous avons quelques problèmes en ce moment. Alors, c'est le grand jour? Ce sont tes débuts de lanceur? Tu as le trac? J'ai vu pire, tu sais. Tu te sens bien? Oui, ça va aller. Oh, Pinon, je me sens mal. Je crois bien que je vais vomir. Très bon lanceur. Tu seras parfait. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont changé de place? Je jouais bien, j'avais l'habitude. Ça va mieux? Oui. Tu ne le raconteras à personne, tante Jane. Non, bien sûr que non. Tu vas rester jusqu'à la fin? Oui, je vais rester. Pourquoi? Oh, pour rien. Il faut extérioriser ses angoisses. Après, ça va mieux. Merci, tante Jane. Ne me remercie pas. Bon, vous avez perdu, et alors? Toi, t'as été formidable. Oh! Ned! Ned, je ne veux plus que tu fasses ça, tu entends? Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-dedans? Je n'en ai aucune idée. Surprise! Joyeux
joli tout ça. Allez, on y va. Viens avec moi. Assieds-toi. Bon, alors allons-y. Tout le monde est prêt? Allez, vite. Tout le monde s'est senti? Bon. Amy, t'es prête? Mais où est passée la trompette? La pièce s'appelle « Qu'est-ce que le dragon a eu pour son petit déjeuner ?» Elle a été écrite par Nell Lewis pour ton anniversaire. Reviens maintenant, Nelly. Pam parana, pam 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 parana. Lily. Dragon, où es-tu? Je suis là, maître. On gèle ici. Crache du feu, s'il te plaît. Que se passe-t-il? Mon pouvoir a complètement disparu. Bien, je vois que l'heure a sonné. Il nous faut sacrifier cette jante demoiselle. Ah, je vais vous sauver. Tout-puissant Seigneur! Ne la touchez Paul. Pas! Paul! 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 Nous voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai pris l'avion pour le Minnesota et j'ai réussi à convaincre Louis que je devais ramener Paul. Je crois qu'il l'avait présenté. J'arrive pas à le croire. Je peux le porter? Oui, attends. Je t'aime beaucoup, beaucoup, mon bébé. Ça va pas être facile. On commettra des erreurs. Rien n'est jamais acquis. Nos enfants, les enfants de ma sœur, les leurs et tous ceux qui naîtront encore après eux, être une part infime de toutes ces vies. Qu'y a-t-il de plus important, de plus essentiel? Tu as raison.